coup. Bon les gars, commencez pas à juger mon skin. Je suis un Bambi, mais c'est parce que je suis sur P5 pour la première fois. J'ai pas réussi à aller mon compte normal dessus, c'est vraiment une galère. Du coup c'est pas grave, on va jouer là dessus. Je suis niveau 1 avec un skin de plot. En gros je suis dans la peau du monteur. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va tester le mode créatif mais également la vraie game sur P5 à 120 fps. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour le coup. J'ai jamais regardé de vidéo ou de stream là dessus. J'espère que ce sera cool parce que moi je suis un ancien joueur PS4, donc la version juste avant. Sur ce on va partir. Juste avant, pensez bien à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, merci à ces 10 personnes qui l'ont fait. Et puis bah on est parti. Me voilà dans l'accueil créatif, waouh c'est super stylé. Je kiffe les graphismes. Du coup comme vous pouvez le voir je suis bel et bien à 120 fps. Apparemment là j'ai une île, je vais aller voir c'est quoi. Ok, il y a des construits. C'est pas moi qui ai fait ça les gars, je vous le dis, je sais pas faire ça. Mais parfois quand j'ai des potes qui viennent à la maison, bah ils jouent à la Play. Et soit ils jouent à FIFA, soit à Rocket League, ou soit à Fortnite certains. Hop, ok, allez c'est parti pour le premier solo build. Déjà au niveau de la fluidité, et bah je suis agréablement surpris. Moi quand je jouais sur console, j'avais l'habitude des 60 FPS de la PS4. La mienne d'ailleurs, elle faisait un bruit d'avion de chasse. Là ici c'est déjà beaucoup mieux, j'ai l'impression de pas avoir de perte d'FPS ou quoi. Ah ouais, regardez, ça reste bien à 120. Hein. Je sais pas si ce sera le cas en game également. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un plaisir. Je suis beaucoup plus confiant à la manette, donné que dans cette vidéo, on avait enfin réussi mon premier top 1 manette. Là je suis libéré, je vous le dis, je vais en faire dans cette vidéo, c'est sûr et certain. Bref, et bah pour l'instant c'est validé. Même au niveau des graphismes, je kiffe bien. Il y a des ombres mais c'est pas trop gênant. Non franchement pour l'instant c'est un bon 9/10. Je suis agréablement surpris. Vous savez quoi, on va tenter un dernier truc, c'est les extens. Hop hop hop, voilà. Le monteur, ça dit tu mets un accéléré là pour les impressionner. Si merde mon ref. Allez on est parti directement. Hop bam bam bam. Ouah ça va super vite les gars. J'espère que tu l'as vraiment mis hein. Rond hop. Voilà, oh c'était super rapide. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça a pris à peine 2 secondes. Mais bon, tu mens frère. Sur ce, on va partir en game. C'est ça qui nous intéresse le plus. Nous voilà dans l'accueil. Oh là là, mais il est super mignon. J'aime beaucoup. Alors que vous pouvez le voir, j'ai pu lancer en arène. Tout simplement parce qu'en fait mes potes avaient déjà joué sur l'ancienne saison. Et donc mon compte est niveau 19, ce qui m'a permis de lancer. C'est plutôt cool. Objectif 500 points. On aura le triple du monteur. Voilà que c'est pas cool frère. Ah ouais, il y a une aide à la visée de ouf sur console. Pour le spawn, je pense qu'on va se faire un bon petit Grazy Groove. D'ailleurs, regardez, je joue avec la manette Scuf P5 que j'avais acheté. Je l'utilise notamment pour mes streams sur FIFA et je kiffe de ouf. J'utilise pas les palettes par contre, mais en fait, je sais pas. J'ai modifié un petit peu les joysticks, les boutons derrière, j'ai modifié la sensibilité, etc. Et bah, je préfère comme ça. Oh, je suis trop court. Vas-y, ça commence bien. C'est pas grave, il y a une arme là. Hop, un petit pompe, voilà. On va se satisfaire de ça. Oh, je vois un mec. Bon Dieu. Oh, mais vas-y. Ça a pas construit, c'est la manette en fait. Mais... construit ? Pourquoi je peux pas construire ? Hein ? Ok. Non mais ça bug, regardez. En plus, il faut que je confirme pour edit. Ça, je vais le changer de suite. Oh 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 ! Le monteur ! Oh okay, non, oui, pas tu ça. L'as vu. Pour la première fois sur PS5, je me tape la grosse. Mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Ça va, elles ont le même goût. Alors, les ennemis, où êtes-vous ? Regardez, je fais le mec imposant et tout à construire alors que je vais rien faire du tout en fight. Par contre, j'avoue, le jeu est beau, mais avec les ombres, tu vois pas grand-chose. Je pense que c'est une question d'adaptation, mais bon. Ok, pas mal. Ici, on a une PM bleue. Vas-y, je la prends. Il s'est barré où le mec qui a spawn ici? Il a eu peur de moi, c'est ça? Je comprends. Ah, il est là. Ok, oh, il est nul. Perfect. Voilà. Attends, mais par contre, c'est un truc de ouf, les dalles à viser. Ça a visé tout seul sur lui, c'est trop bien. J'adore. Allez, casse-toi au lobby, loser. Eh bien, c'est mes premiers 25 points. C'est un bon début. Non, mais vas-y, regardez. Il y a même un effet sur les caisses et tout. Alors, c'est vrai, c'est un détail, mais moi, j'ai pas ça en mode perf sur PC. Hop là, merci pour l'argent. Petit coffre, nul à chier. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir quitter le spawn. On va partir à la recherche de notre deuxième kill. Moi, j'y crois. Par contre, effectivement, les FPS sont super stables. Regardez, je suis vraiment à 120. Ça bouge pas d'un poil. En vrai, c'est mieux que certains PC parce que pour faire tourner 120 FPS constant sur PC, c'est pas évident. Au passage, comme je sais que ça coûte super cher une console comme ça, pour vous remercier de votre fidélité et du soutien, je veux bien faire un concours où je vous offre une PS5. Mais pour ça, faut que vous soyez chaud. Donc on va dire qu'à 20 000 pouces bleus, j'organiserai le concours sur mon compte Instagram. Allez déjà me suivre, c'est WASTH. Là, c'est une nouvelle épreuve. On monte la montagne, c'est bon. Par contre, vu les aim assist de ouf, je sais pas si je vais vraiment prendre un pompe. Hein. Ok, ça se bagarre là-bas. Après, vas-y, tilted, ça doit être les mecs chauds. Il y a des joueurs consoles qui sont trop forts. Et dans tous les cas, l'arène, c'est mélangé. C'est-à-dire que tu peux être PC, PS4, Xbox, mobile, Switch. Tu tomberas avec les mêmes joueurs. Allez, c'est bon, j'y vais. Viens ici, loser. Il est passé où? Oh, il est là-bas. Ok, l'aim assist, c'est pas de loin en fait. Mais toi, tu m'as touché, c'est une blague. Oh oh, il me push. Il a l'air confiant. Vas-y, là, faut pas que je choque. Allez, tu tombes déjà. Ah, mais un autre mec à gauche. Regardez comment il me push. Oh, j'ai crack. Non, meurs. Let's go! Ok, il y a un autre mec. Faut vite que je fasse une box. Oh non. Oh là, c'est la merde.
Ok, je vais essayer de me mini. Je crois qu'il y a un autre deck, parfait. Les gars, je panique trop, c'est horrible. Par contre, c'était très fluide. C'est bon, j'ai pu me heal un petit peu. Je reload tout et je repars au combat. Faut que j'arrête d'avoir peur. J'ai fait un top 1. Allez, venez ici, les losers. Un HP et il m'a cheaton. C'est une blague. Il m'a tué avec un fusil de tireur d'élite. Il m'a vraiment mis un oscope là. J'ai le démon. Bon, allez, c'est pas grave, on repart en game. Pour cette deuxième partie, on va poser les pieds là-bas. J'espère que ça va bien se passer. Je vais atterrir sur le saloon. Hop, un petit pistol. Allez, dis-moi qu'il y a du coffre là-dedans. Pitié. Oh, je l'entends. La dinguerie. Allez, s'il te plaît, une PM. Non, mais pas cette arme de mort. Vas-y, c'est trop. Pour la peine, je me tape la grosse. Quoi? Ça t'apprendra à me banner le monteur. Je te connais comme ma poche. J'entends encore un coffre là-haut. Un pistolet. Mais oh, ça m'épuise. Je crois qu'il y a un mec qui s'approche. Si je le tue, je passerai les 100 points. Je l'entends. Je vais lui mettre un laser. Il veut pas prendre le coffre juste là. Il se barre en bateau. Reviens. Ok, c'est maintenant ou jamais. Nope. Ok, ce sera jamais. Pourquoi je suis si nul? Je t'ai pas demandé ton avis, toi, le monteur. Oh, il me push. Regardez, il a l'air fort. Il a fait une triple hit. Ah ouais, il est trop chaud, lui. Ok, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis pas là, je suis pas là. Tu m'as pas vu. Non? Par pitié, viens pas. Il est juste au-dessus. Oh, il a un HP. Oh, je t'ai cheaton. Aise, comment on fait une danse? Voilà, tu dégages. Et il me donne un pompon or. Ça, c'est la récompense pour les 100 points qui sont passés. Et bah, c'est nickel. Maintenant, nous, je pense qu'on va se diriger vers la zone. Parce que regardez, elle est super loin. Sinon, vous de votre côté, j'espère que tout se passe bien. Pour moi, c'est le top du top en ce moment. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, il y a la nouvelle bannière, la nouvelle photo de profil qui sont arrivées sur la chaîne. Moi, perso, je kiffe. On est dans un délire un petit peu d'un bureau assez classe et luxueux. Bien évidemment, cette fois, c'est enfin Travis Scott, mon skin référence. Il y a pas mal de petites rêves cachées. Il y en a 6 au total. Je vous laisse quelques secondes le temps de regarder. Est-ce que vous allez le trouver ou non? Écrivez-le moi en commentaire, tiens. Pour ceux qui ont la flemme, les voici. Alors la première, il y a la casquette, en référence à Zedfar, vu que j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui. Ensuite, il y a le club de golf, qui est la pioche de Yo-Yo. En troisième, il y a la fameuse grosse pote pour le monteur, voilà. La mythique phrase, me tape la grosse. Comme ça, même sur la bannière, je le fais câbler. Quatrième chose, c'est pour vous, c'est le petit ZZ sur la tasse. Je trouvais ça mignon de mettre une référence à la team ZZ. Et les deux derniers sont beaucoup plus subtils. Il y a tout d'abord le pistolet silencieux, pour ceux qui m'ont connu en 2018. C'est le live qui m'a fait péter. C'est quand il y avait la mise à jour du pistolet silencieux. Et pour terminer, le crayon qui est présent sur les miniatures du concept Genou de Fin Zone qui a lancé ma chaîne secondaire. Voilà, c'est plein de petites choses. C'est vrai que les nouveaux, vous allez pas forcément vous rendre compte de tout ça, mais bon, je trouvais ça cool de les afficher pour montrer un petit peu mon passé. Parce qu'en soi, c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. N'hésitez pas à noter la bannière sur 10 dans les commentaires, ça fera plaisir aux graphistes. Allez, un petit coffre. Qu'est-ce que je veux? Une meilleure R ou une PM? Ok, tout sauf ce que j'ai demandé. Oh, vous le voyez le coffre de ouf là? Allez, pitcher une PM en or. Oh, quelle pompe je prends. En vrai, j'ai quand même prendre celui-là. Si je rate pas la balle, je vais mettre une patate de fou. Pour l'instant, vraiment, j'ai de très bonnes sensations avec la PS5. Je trouve les graphismes magnifiques, mais pas très optimal pour le jeu. Genre là, par exemple, c'est la nuit. Et bah, si y a un ennemi, je vais pas très bien le voir. Surtout s'il y a un skin assez sombre. C'est dommage qu'on puisse pas modifier les graphismes comme sur PC. Ça me fait peur, j'entends personne. Ok, j'ai récupéré les points du top 20. Let's go. Si je fais une bonne game, les 500 points sont prenables. Hein. Ah ouais, la tempête, elle est trop belle. Ouais, je kiffe. Il y a un mec qui monte là. Non, j'aurais pu le faire tomber. J'aimerais bien le pêcher, sauf que le problème, c'est qu'il a la hauteur, donc il a l'avantage. C'est quoi? C'est pas grave, j'y vais. C'est bon, je suis là. Je crois qu'il se cache. Ok, il a une PM, lui. Oui, que je vais mettre la mini. Il a l'air trop nul, par contre. Oh, mais t'étais à chier. Désolé, Paul Michel, mais c'est vrai, quoi. Ton niveau, il était pas foufou, hein. Hop. Et bah, super. Mon stuff s'est largement amélioré. Et en plus, j'ai gagné des points. Hop, je mets bien le canon. Merde, je voulais pas faire ça. Entrer dans le canon, voilà, c'est ça. C'est parti. Ouah, je vais super vite. Ça me fait peur, j'ai le vertige. Faut pas que je regarde le sol. Ok, c'est bon. Et bah, ok. Pourquoi pas. Hop, on grimpe. Eh, je suis beaucoup plus à l'aise quand même. Hein. Oh, merde. Eh, je la casse. Ça se bagarre là-bas, mais ils sont en hors zone. Je vais les attendre. Voilà, comme ça, regardez. Je suis un vrai château fort. Je suis le genre de mec chiant qui te spam en plein fight. Mais la tempête, elle est tellement belle que je vois pas bien. Ah, il est là. Hop, il est crack, 21 blanc en plus. Faut que je l'empêche de se heal, comme ça, il va mourir de la tempête. Allez, meurs. Hop, et merci à toi. Troisième kill. Je suis vraiment un ratus, hein. Alors à l'horizon, je vois personne. Je sais pas si c'est bien ou pas. Moi, ça m'arrange, hein. D'ailleurs, là, je commence par une vidéo où je découvre la PS5. Mais bientôt, ne vous inquiétez pas, la vidéo où je teste pour la première fois Fortnite sur Switch arrive. J'attendais du coup le matériel pour Rec. C'est le même que pour PS5. Donc là, ça y est, c'est bon, j'ai tout installé. J'aurai juste à brancher la console à la place de la PS5. Et je pourrais faire la vidéo. Donc elle va arriver normalement ce mois-ci. Et deuxième chose, c'est concernant l'aventure sauver le monde qu'on doit faire. Là, j'ai besoin de votre avis. Parce que je vous avais promis à 25 000 likes sur une vidéo. Il y a eu les likes, mais l'aventure, est-ce que je la fais avec Zedfar qui a déjà joué à sauver le monde et donc qui le connaît par cœur, ou alors avec Yo-Yo qui n'a jamais joué? Ça serait deux choses totalement différentes. Zedfar, il m'apprendra un peu plus le jeu, tandis que Yo-Yo, bah, on découvrirait tous les deux. Dites-moi avec qui vous préférez, si vous préférez quelqu'un qui connaît ou non, ça dépendra de vous. Vous pensez qu'il y a un mec dans le bush là ou pas? Oh, j'ai touché un mec. Il est où?
Non mais c'est une blague, j'ai pris une balle de snipe. Mais il y a un campeur en dessous de toi et c'est moi que tu shootes. Vas-y, je le déteste, top 8. J'étais trop bien parti. Vas-y, on repart en game. Pour cette troisième partie, on est sur la petite île que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je suis pas venu, elle m'a manqué un petit peu. J'espère que j'aurai du bon stuff. Oh, si je fais un kill au snipe sur P5, eh ben je suis trop fort. Ah mais par contre, regardez les grosses sur P5, c'est un chef d'œuvre. Elles sont magnifiques. C'est bon, je me barre de la ville. Pour mon stuff, j'ai un pompe vert, une PM blanche, un sniper et puis des mini et des grosses. C'est pas dingue dingue, mais ça passe. On va dire que c'est le strict minimum. Oh les gars, on a 200 points, je suis trop fier. Ça faisait longtemps que j'étais pas content pour ça. J'ai dépassé le monteur en même pas 30 minutes de jeu, quoi. C'est dingue. Bon, eh bien le temps de parcourir les 830 mètres pour aller en zone, je vais répondre à une question qui revient très souvent en ce moment, que ce soit dans mes commentaires YouTube ou même dans mes messages privés. Pourquoi il n'y a plus beaucoup de vidéos exit phare? Alors je vous le dis, je vais être 100% transparent. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, je vous rassure, on s'entend toujours très bien, il n'y a aucun problème. Mais en fait, on fait moins de vidéos ensemble déjà pour un problème de planning. C'est-à-dire que exit phare a repris les cours, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé. Attendez, dans la fête, il y a un ZZ. Gros dédicace à toi, Phoenix, t'as un bon. Bref, je reprends ce que je disais. Vu qu'il a repris les cours, eh bien, il finit très souvent très tard. Et donc, c'est pas évident de trouver des horaires pour tourner ensemble. Donc là, je comprends totalement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et le deuxième truc, qui est pour moi la raison principale en vrai, c'est qu'on a fait le tour de la plupart des concepts. On a dû faire une centaines de vidéos ensemble, moi j'ai plus forcément d'idées super originales et j'ai pas envie qu'on tourne en rond et de faire des vidéos avec Zephar juste pour dire d'en faire avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant je fais des vidéos tout seul parce que j'ai un peu plus d'idées, ou alors même des vidéos avec Yoyo parce que ça me change justement. J'ai très peu tourné avec lui en vrai et c'est totalement différent, c'est pas la même ambiance, pas les mêmes vannes et tout, je kiffe. Donc bien évidemment j'abandonne pas Zephar, mais on aura juste de moins en moins parce que je pense que c'est un peu la fin d'une ère. Mais si jamais ça vous manque, il y a une vidéo assez longue qui sort demain sur ma chaîne secondaire avec Zephar justement. C'est WasTV, allez vous abonner comme ça vous la manquerez pas. Je sais que ça va en rendre triste certains, mais bon, c'est la vie. Les gars, dans tous les cas, il y en aura encore, dites-vous. C'est juste moins qu'avant. Oh, il y a un mec. Allez, je vais mettre la tête au snipe. Non, pourquoi il avance? Reviens, il est où? Comment ça, il est déjà là-bas? Nope. Non, dommage. En vrai, il a l'air fort, hein. Il a construit un building en 3 secondes. Je sais pas trop si je dois le fight. Ok, je me barre. Nope. Non, j'ai raté ma balle. Oh non, c'est derrière moi. Il va me push ou pas? Il est là. Touché. Le problème, c'est qu'il m'a mis mal aussi. Il y a un autre mec là. Oh. Je l'ai atomisé avec la PM, mais il est beaucoup trop fort. Allez, maintenant au suivant. Non, j'ai plus de balles. Let's go, tout juste. Lui aussi il devait recharger. Ok, je me boxe. Une petite splash. Des mini. Allez, on se calme. Oh là 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 là, j'ai fait 2 kills exceptionnels. Non, non, les structures, je suis désolé, je veux pas devenir joueur pro. Ça sert à rien de me contacter, hein. Hop, petit edit, voilà. Oh, il avait une bonne air, j'aime bien celle-là. Bon, eh bien, je suis satisfait de ma game pour l'instant. Faut que ça continue comme ça. Encore un ZZ qui est tombé au combat. Non, Ryan, repose en paix, mon gars, je vais te venger. En vrai, il y a de plus en plus d'abonnés qui mettent ZZ dans leur pseudo. Et quand je tombe sur vous en game, je kiffe trop, les gars. Continue à l'ajouter. Faut qu'on envahisse Fortnite. Oh oh. Oh, ça a tiré. Oh non, il est sur moi. Oh, il a un HP. Allez, j'y vais. C'est mon moment. Oh, il m'a chiton. Il a un HP. Allez, tu sors. Et en plus, c'est celui qui a tué Ryan. Allez, toi aussi. Petite danse. Hop là, ça sort. On tue pas mes abonnés. J'entends encore du monde juste en dessous. Allez là. Je vais lui mettre un laser. Oh. Eh, pas mal, hein. Mais construit. Il s'est pris une balle de snipe. Chah. Alors, il est où, le sniper? Oh, oh, je l'entends, il est là. Il a pris mon sang. Il a l'air chaud. Allez, une mini. Oh, oh non. J'ai paniqué, j'avais plus de balles dans mes armes. Top 11, non. J'ai trop le seum. Bon, et bien malheureusement, il est de retour au lobby. La vidéo s'arrête ici. J'ai pu bien tester Fortnite sur P5 et honnêtement, j'ai kiffé. C'est trop bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle plateforme vous jouez. On verra si vous êtes nombreux, la team PS5. Bref, la prochaine plateforme qu'on testera, du coup, ce sera Switch. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas le rater. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.